c'est le capital de la friture. On vit maintenant. Dalai Lama des bouches du Rhône. On vit maintenant. On a un public avec des couilles gros. On vit maintenant. On parle français comme le rhum du coin. On vit maintenant. On écrit des cesses tous les 5 ans et demi. On vit maintenant. On est voleur ou est boueur ici. On vit maintenant. En 15 ans de rap, j'suis pas fait un franc. On vit maintenant. J'attache le scooter et te vole le poteau. On vit maintenant. Bonsoir tout le monde, c'est le débrief de l'After Coach Ludo. Bon ben écoutez, on a encore vu une victoire. Donc ça fait plaisir, c'est là quand même la troisième victoire d'affilée. On a mis du temps quand même à la dessiner, parce que la première mi-temps, bon, on a eu des actions, on a un peu eu Payet qui a fait quelque chose. On a un peu essayé de faire quelque chose de bien. Mais en deuxième mi-temps, on a enfin ouvert les compteurs. Dario Benedetto. Darius Benedictus, il a enfin mis un but et pas sur penalty. Et en plus, il a mis un but de classe, petit con. Un mort sur la poitrine. Le gardien, petit extérieur, pas cherché. Donc, ça, c'est un but de classe. Donc, c'est bien, ça va le mettre en confiance, j'espère. Qu'il a marqué notre but derrière. Après, ça fait plaisir que Tonton Balère, il ait marqué le deuxième but. Donc voilà, on a eu un match facile à gérer. Bon, après, en même temps, c'était Nîmes. Donc j'aime bien nos collègues nîmois. J'espère qu'ils vont se maintenir, qu'ils vont faire ce qu'il faut derrière. Mais bon, là, aujourd'hui, il fallait qu'on gagne. On a gagné. Enfin, on a un point de Paris avec deux matchs en retard. Ça sent bon, ce championnat. On n'a pas une équipe de foot de guerre, mais bon, quand on joue un peu au ballon, c'est bien. À ma vie, il a encore fait son passe dans le centre aux joueurs, mais il en fait toujours une. Mais franchement, cette année, il gère. Donc voilà, on a gagné. J'espère que mercredi en Ligue Europa, en Ligue des Champions, on va gagner notre place en Ligue Europa. Il faut espérer que Manchester City mette une équipe bis parce qu'il joue contre Manchester United. Et au cas échéant, ben, si c'est le cas, ben, tant mieux. On va faire une bonne on peut faire un bon match, si on s'en accroche à Ligue Europa, tant mieux. Sinon, ben, on joue que le championnat et la Coupe de France. On verra. En tout cas, je suis content que nos deux attaquants aient marqué aujourd'hui, ça peut les mettre en confiance. Tonton Valère, il méritait de marquer parce que c'est un joueur de devoir. Et Dario, ben, ça lui fait du bien de mettre un but. Et en plus, il a mis un but d'attaquant. Voilà. Donc, c'était l'After Coach Judo. Je vous dis bonne soirée. Allez, l'OM. Et à mercredi. C'est le capital de la friture. On vit maintenant. Dalai Lama des bouches du Rhône. On vit maintenant. On a un public avec des couilles gros. On vit maintenant. On parle français comme le rhum du coin. On vit maintenant. On écrit des cesses tous les 5 ans et nous. On vit maintenant.